إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui a créé de celui-ci son épouse, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Certes, Allah vous observe parfaitement. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, afin qu'il améliore vos actions. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, et afin qu'il vous pardonne vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Toute innovation est égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre deuxième rencontre parmi les rencontres de notre nouvelle série que nous avons nommée Ma'al Anbiya'i alayhimus salatu wassalam, avec les prophètes que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur eux. Une série qui a pour but d'allier le récit de l'histoire à l'exhortation, l'instruction et l'enseignement. Une série qui a pour but d'éduquer et qui a pour but de guider vers le droit chemin. Elle lie le passé au présent, comme elle fait le lien entre l'histoire ancienne et l'histoire proche. Car notre communauté, mes chers frères et sœurs, a grand besoin de regarder attentivement, a grand besoin d'analyser encore une fois la biographie des prophètes d'Allah et la vie des messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Et ceci afin d'en retirer un exemple, une provision pour les patients, et un signe pour l'humanité.
Et cette communauté se doit ainsi de s'inspirer de ses cours, ainsi que de ses prêches, de ses leçons et de ses morales. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours le début de la création. Rappelons ainsi, mes chers frères et sœurs, que la première chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée fut le trône al-arsh. Puis il créa la plume al-qalam. Puis ce fut autour des cieux et de la terre qu'il créa en 6 jours. Et nous avions également évoqué l'honorable et le majestueux dialogue qui eut lieu entre Allah Azza wa Jal et ses anges rapprochés al-Malaika au sujet de la création de Adam alayhi salam. Mais comment Adam a-t-il été créé? Et à partir de quelle matière a-t-il été créé? Et quelles furent les différentes étapes de cette création? Et quels sont les détails de cette histoire et de ce récit? C'est à ces différentes questions, mes chers frères et sœurs, que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il bénisse notre temps, qu'il nous accorde la sincérité, la réussite et le succès dans nos propos et nos actions. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-Muslimoun, ô vous les musulmans, lorsqu'Allah Jalla wa Ala décida de créer Adam alayhi salam, ce fut un vendredi, un jour parmi les jours de ce bas monde. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala saisit une poignée de la surface de la terre et en fit sortir cette nouvelle créature. Allah Jalla wa Ala nous dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Et parmi ces signes, qu'il vous est créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, et par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, ainsi que l'imam Al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah créa Adam d'une poignée de terre qu'il avait prise de toutes parts de la surface de la terre. Aussi, et en mesure correspondante, il y eut parmi sa descendance des hommes blancs, rouges, noirs de peau et d'autres de couleurs intermédiaires. Et il y eut également de mauvais hommes, de bons hommes, des doux et des durs, ainsi que d'autres de caractères intermédiaires. Ainsi notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, mes chers frères et sœurs, a pris une poignée de terre sur l'ensemble de la surface de la terre. Et c'est certes lui le plus savant concernant cette poignée. Et ainsi les fils de Adam furent créés en fonction des différentes sortes qui constituent cette surface de la terre, qui constituent cette poignée. Et c'est d'eux ainsi que provient le blanc et le noir, le rouge et d'autres couleurs intermédiaires, et d'eux également que sont issus le doux, le dur, le mauvais et le bon, ainsi que d'autres caractères intermédiaires. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Et parmi ces signes, qu'il vous est créé de terre. Et en ce qui concerne la preuve que tout cela se soit passé le jour du vendredi, alors le hadith est rapporté par l'imam muslim selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour qui voit se lever le soleil est le jour du vendredi. Et c'est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où il est entré au paradis, et le jour où il en est sorti, et le jour du jugement dernier n'aura lieu que le jour du vendredi. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit également: vous êtes tous de Adam, et Adam provient de terre. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que nous voyons cette différence, que nous apercevons cette diversité entre les couleurs, entre les serviteurs, qui a été voulu et qui a été décidé en réalité par Allah Azza wa Jal. Ainsi, comme la surface de la terre est diversifiée et comme elle possède diverses couleurs et diverses sortes et diverses constitutions, les fils de Adam furent créés avec cette même diversité. Et ceci est probablement un des plus grands signes d'Allah Jalla wa Ala. Comme Allah nous le dit: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété dans vos langues et vos couleurs,
et il y en a cela des preuves pour les savants. Et Allah nous dit également: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Et c'est lui qui vous a créé de terre, puis à partir d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Et c'est peut-être pour cette raison que Adam alayhi salam a été nommé ainsi, comme l'a cité l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Et la vie la plus favorable, c'est que Adam alayhi salam fut appelé ainsi car son nom fut dérivé du mot Adim al-Ard, la surface de la terre. Et c'est également la vie de Saïd ibn Jubayr. La première étape traversée ainsi par Adam alayhi salam fut donc l'étape dite de terre. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala saisit une poignée de cette terre sur laquelle nous marchons. Elle fut donc la première matière, la première phase et la première étape pour l'humanité et pour la création de Adam alayhi salam. Et ensuite, après l'étape de la terre, il passa à un stade secondaire, à une autre phase, à une étape supplémentaire dite d'argile. Cette terre fut mouillée avec de l'eau et se transforma alors en boue collante. Allah nous dit: Inna khalaqnahum min tinin lazib. Nous les avons créés de boue collante. Et puis, l'odeur et la couleur de cette argile changèrent. Et il passa ainsi d'argile collant à argile ferme. Allah nous dit: Khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar. Et il a créé l'homme d'argile sonnante comme de la poterie, c'est-à-dire d'argile ferme et dure, comme la constitution d'une poterie. Et le salsal dans la langue arabe est tiré du mot as-salsalah, qui signifie le bruit. Ainsi Adam est passé d'une phase à une autre, mais sans que personne ne connaisse la période qui s'écoule entre ces deux phases, excepté Allah Jalla wa Ala. Et nous n'avons donc nul besoin de nous lancer dans des interprétations ou de nous baser sur des récits faibles. Adam alayhi salam est donc passé de la terre à l'argile collante, puis de l'argile collante à l'argile ferme, et Allah Jalla wa Ala seul connaît ce qui s'est produit entre ces différentes étapes. Et voici donc, mes chers frères et sœurs, de quelle manière et comment Adam alayhi salam a été créé. Il fut créé au moyen de deux mains généreuses par excellence et majestueuses, deux mains sublimes et grandes, qui sont les mains d'Allah Jalla wa Ala, et ce sont de véritables mains qui lui sont propres, subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve, mes chers frères, la noblesse de Adam alayhi salam et le haut rang que Adam occupe auprès de son créateur Jalla wa Ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il réprima et lorsqu'il interpella et lorsqu'il blâma et reprocha Iblis, il lui dit: Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Et contrairement à ce qu'ont prétendu Al-Mu'tazila, Wal-Jahmiya, Wal-Asha'ira, qui sont des sectes et qui nient le fait qu'Allah possède deux mains, Adam alayhi salam n'a pas été créé uniquement par les bienfaits d'Allah et par sa puissance, sans aucune intervention physique. Quant à nous, Ahl Sunnati wal Jama'a, et à leur tête le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons et ceux qui ont suivi ses compagnons avec bienfaisance, ainsi que les quatre imams, nous affirmons qu'Allah Jalla wa Ala possède deux mains et que ces deux mains sont droites, et ce, sans rejet, ni chercher à entrer dans le comment, ni ressemblance avec les créatures, ni interprétation et ni altération du sens apparent. Allah nous dit: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Adam alayhi salam a donc été créé à partir de deux mains honorables et bénies. Et ce sont les mains d'Allah Azzawajal. Et la matière, la substance au moyen de laquelle a été conçu Adam alayhi salam, nous la connaissons désormais. Sauf que sa progéniture et sa descendance ne furent pas créées de la même manière. L'origine de leur substance est certes la terre, mais ils naissent par le mariage, ils naissent par l'accouplement et la reproduction. Et voici, mes chers frères et sœurs, ainsi comment Adam a été créé.
Il traversa toutes ces étapes et ne fut créé ni d'un père ni d'une mère. Mais il fut créé dès le premier jour d'une création complète. Il n'a pas été le fruit d'un mariage, ni d'un accouplement, ni d'une reproduction. Il n'a eu ni père ni mère, mais plutôt Allah Jalla wa Ala dit « Kun fayakun ». Il lui dit « Sois » et il fut. Car Allah Jalla wa Ala, mes chers frères et sœurs, « Ala kulli shay'in qadir » capable de toute chose, et tout est simple pour lui. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah a créé Adam à son image et sa hauteur était de 60 coudées. » Allah a créé Adam à son image et sa hauteur est de 60 coudées. Allah l'a créé à son image, mais attention mes chers frères et sœurs. Le mot « image » ici fait référence soit à la dernière personne citée, c'est-à-dire à Adam, et dans ce cas cela signifie qu'Allah a voulu le créer sous cette apparence, ou bien il fait référence à Allah, et dans ce cas il s'agit d'une marque d'honneur et d'un signe d'annoblissement. Mais mes chers frères et sœurs, la phrase « Allah a créé Adam à son image » ne signifie en aucun cas à l'image d'Allah, pureté à lui, et il est le Très-Haut, car rien ne lui ressemble, et rien ne lui est semblable, et rien ne lui est égal, et il n'a pas d'enfant. Allah nous dit « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad » dit « Il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Allah a créé Adam à son image, et sa hauteur est de 60 coudées. Alors à vous d'imaginer, mes chers frères et sœurs, cette hauteur incroyable et inimaginable. Si une coudée équivaut à un demi-mètre, alors la hauteur de Adam, alayhi salam, était d'une trentaine de mètres. Fala ilaha illallah. Une création complète. Fala ilaha illallah. Une création parfaite. Allah est certes véridique, ainsi lorsqu'il nous dit « لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ » Et nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et dans un hadith, selon Abi Huraira radiallahu anhu, rapporté dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam a cité les gens qui entreront au paradis et il en a donné une description par rapport à l'image de leur père Adam, dont la hauteur était de 60 coudées dans le ciel, et il dit sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, « Et les créatures ne cessent de rétrécir jusqu'à aujourd'hui. » Ibad Allah, serviteur d'Allah, après que votre père Adam alayhi salam a été créé par les mains de son Seigneur Jalla wa Ala, Allah le laissa au paradis le temps qu'il voulut. Car bien qu'il fût créé à partir d'une poignée de la surface de la terre, cela se passa au paradis. Et lorsqu'Allah le laissa, Adam resta dressé un certain temps, qu'Allah seul connaît, et ce, avant que l'âme ne lui fût insufflée. Alors Shaytan vint à Adam, et commença à le contempler, et commença à l'examiner, et commença à s'étonner de cette nouvelle créature, et à interpréter et à commenter. La preuve en est, ce que l'imam muslim rapporte dans son recueil authentique, et ce que l'imam Ahmed rapporte également dans son Mousnad, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah donna son aspect à Adam au paradis, il le laissa la période qu'il voulut. Et alors Shaytan se mit à rôder autour de lui, à le regarder, puis il comprit qu'il était creux, il comprit qu'il était vide, qu'il n'avait pas d'intérieur. Et alors il comprit, et il se rendit compte, et il s'aperçut que c'était une créature qui ne se maîtrisait pas. En effet, Shaytan commença à rôder autour de cette créature, commença à rôder autour de Adam alayhi salam, à le regarder, et à s'étonner, et à interpréter, et il se rendit compte alors, et il s'aperçut, et il comprit qu'il était creux, qu'il était une créature vide, qui n'avait pas d'intérieur, car il était encore d'argile ferme, l'âme n'ayant pas encore été insufflée en lui. Et alors Shaytan sut et comprit que Adam alayhi salam était une créature faible, qui ne pouvait se maîtriser. Et alors qu'il serait de ce fait très rapide à séduire, qu'il serait de ce fait très rapide à tromper, et que sans doute ses passions arriveraient à le vaincre. Na'am ayyuhal ahbab.
Et n'écoutez pas ce qu'il a été dit à ce sujet. Qu'Iblis est entré par la bouche de Adam, ou bien par son nez, qu'il en est sorti par son postérieur, puis qu'il commença à le frapper, avec ses mains ou avec ses pieds, et cela produisit du bruit qui résonnait. Car ceci a rempli des cassettes et des livres, mais ceci fait partie des récits faibles, qui ne doivent pas être racontés, et qui ne doivent pas arriver aux oreilles des musulmans. Car ceci est du pur mensonge et de la calomnie. Tout cela, mes chers frères et sœurs, sont des choses qui font partie du monde invisible, el-Ghaib. Et des choses que l'on ne peut affirmer que par « قال الله قال الرسول » que par ce qu'Allah nous dit et que par ce que son prophète alayhi salat wa salam nous dit. Ou encore la parole de quelques sahabas, quelques compagnons qui ne prennent pas de ces récits faibles et qui interprètent et commentent les versets d'Allah jalla wa ala. Et ceci est une règle impérative avec laquelle nous nous devons d'avancer dans cette série. Nous ne disons et nous n'affirmons que ce qu'Allah a dit et son messager alayhi salat wa salam a dit, afin de ne pas affirmer n'importe quelle parole. Et certes les paroles de certains compagnons, si ceux-ci ne prennent pas des récits faibles. Et c'est ainsi qu'Iblis, la'anahullah, commença à rôder autour de Adam, et à tourner autour de lui, à le regarder et à l'examiner. Et alors il sut et il comprit, il se rendit compte que Adam était une créature vide, qui ne se maîtrisait pas. Puis après tout cela, vint l'étape de l'insufflation en Adam de l'esprit d'Allah. Mais attention, Allah jalla wa ala a créé une âme qu'il insuffla en Adam alayhi salam, par sa permission, par sa volonté et par sa puissance. Et il a attribué l'âme à lui-même dans son livre, et ceci fut une attribution d'anoblissement et une marque d'honneur envers Adam alayhi salam. Allah nous dit, ذلك عالم الغيب والشهادة هو العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux. C'est lui qui a perfectionné tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Puis il tira sa descendance à partir d'une goutte d'eau vile. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et l'attribution ici ainsi à Allah est donc une attribution d'anoblissement. Et ce n'est en aucun cas l'âme d'Allah jalla wa ala, mais plutôt une âme qu'Allah créa. Et ceci est la croyance et la conviction d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Allah créa ainsi cette âme qu'il insuffla en Adam. Et il insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, la vue et le cœur. Et certes vous êtes peu reconnaissants. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban et par l'imam Al-Hakim, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsilati Sahiha, dans sa chaîne de hadith authentique, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'âme fut insufflée en Adam, celle-ci vola et se déplaça jusqu'à atteindre sa tête. Et alors Adam éternua. Puis les premières paroles qu'il prononça furent Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et Allah lui dit, Yarhamuk Allah. Qu'Allah te couvre de sa miséricorde. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Al-Tirmidhi, ainsi que par l'imam Al-Hakim, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Hurayrat radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'Allah jalla wa ala créa Adam et qu'il insuffla en lui de son esprit, Adam éternua. Ce dernier dit, Alhamdulillah, louange à Allah. Il loua Allah par sa permission. Et Allah lui dit, Yarhamuk Allah ya Adam, que la miséricorde d'Allah te couvre ya Adam. Puis Allah lui dit, pars vers ses anges, un petit groupe d'anges assis à proximité, pars vers ses anges et dis-leur, Assalamu alaykum, paix et salut sur vous. Et alors ils répondirent, Wa alayka assalam wa rahmatullah, paix et salut sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Puis il revint. Et alors son Seigneur lui annonça, cette salutation est la tienne,
ainsi que celle de tes enfants. Ainsi, mes chers frères et sœurs, Adam alayhi salam éternua, puis il loua son Seigneur et il dit Alhamdulillah. Et Allah lui répondit, Yarhamukallahu ya Adam, que la miséricorde d'Allah te couvre, ya Adam. Et alors il lui ordonna de rejoindre et de saluer un groupe d'anges honorables à sa proximité, afin de leur inculquer et afin de leur enseigner la bonne éducation, ainsi que la salutation de l'islam. Allah lui dit, salue-les et annonce-leur, Assalamu alaykum, paix et salut sur vous. Et alors les anges lui répondirent, Wa alayka assalam wa rahmatullah, paix et salut sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Et Allah annonça ainsi à Adam alayhi salam, ceci est ta salutation, ainsi que celle de tes enfants. Et si cela prouve une chose, mes chers frères et sœurs, si cela prouve une chose, cela prouve que cette salutation, assalamu alaykum, est une salutation universelle. Elle n'est pas propre à une communauté particulière. Et elle n'est pas propre à une classe particulière. Mais c'est plutôt la salutation de tous les fils de Adam, alayhi salam. Celle qu'Allah Jalla wa Ala a agréée. Et celle qu'Allah Jalla wa Ala a voulu pour ses serviteurs. Et celle qu'Allah a enseignée à Adam, alayhi salam, afin que ses enfants en héritent après lui, et ce jusqu'au jour dernier. Mais nous sommes certes tristes, mes chers frères et sœurs. Et nous sommes certes malheureux, mes chers frères et sœurs, lorsque nous constatons que beaucoup de musulmans, ainsi que certains se prétendant appartenir à cette grande religion, avoir remplacé cette agréable et bénie salutation contre des salutations vaines, sans aucune valeur, qui nous est apparue de l'Orient ou de l'Occident. Certains d'entre eux considèrent même que la salutation de l'islam, assalamu alaykum, comme une salutation extrémiste. Et nous sommes arrivés à ce point, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que certaines personnes ont refusé l'islam et se disent issues de l'islam à un tel point qu'ils rejettent la salutation, outre et sans compter les adorations et autres obligations religieuses. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est ainsi, et de cette façon, et de cette manière que nous apprenons la bonne éducation de la part de notre Seigneur et de la part de ses prophètes et messagers. Si le musulman éternue, alors il se doit d'énoncer de dire « Alhamdulillah, louange à Allah ». Et si une personne venait à l'entendre, elle se doit de lui répondre « Yarhamukallah, qu'Allah te couvre de sa miséricorde ». Et alors à l'éternueur de lui répondre « Hadakallah wa aslaha balak, qu'Allah te guide et qu'il assainisse ton esprit ». Ceci est l'éducation de l'islam que nous a enseigné notre Seigneur Jalla wa Ala, et ainsi que son prophète alayhi salat wa salam. Ensuite, après l'étape de l'insufflation, vint l'étape de l'essuyage du dos de Adam avec la main d'Allah Jalla wa Ala, un essuyage véridique auquel rien n'y ressemble et dont rien n'est semblable, afin de sortir de son dos toute sa descendance. Ad-dalil, la preuve, Al-Qur'an wa Sunnah, le Qur'an et la Sunnah. Allah nous dit, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des fils de Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention, ou bien que vous ne disiez point, nos pères étaient polythéistes et nous étions des enfants après eux. Tu nous périrais pour ce qu'ont fait ces imposteurs. Et dans le hadith, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, et authentifié par le grand savant Ahmad Shakir, selon Omar radiallahu anhu, où il fut questionné sur ce verset et dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui on posa la question sur ce verset, dire, Allah créa Adam, puis il essuya son dos avec sa main droite et en fit sortir une progéniture et dit, j'ai créé ceci pour le paradis, et ils feront les actions de ceux qui méritent le paradis. Puis il essuya encore une fois son dos, et en fit sortir une progéniture, et dit, ceux-ci sont créés pour l'enfer, et ils feront les actions de ceux qui méritent l'enfer. Et alors un compagnon dit, Ya Rasulallah, mais pourquoi œuvrons-nous alors?
Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit, lorsqu'Allah crée une personne pour le paradis, il facilite pour lui les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il meure sur ses actions, et ainsi Allah le fera entrer au paradis. Et lorsqu'Allah crée une personne pour l'enfer, il facilite pour lui les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il meure sur ses actions, et ainsi Allah le fera entrer en enfer. Et dans une autre version authentique, rapportée par l'imam Al-Hakim ainsi que par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Qatada As-Sulami radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah jalla wa ala créa Adam, puis il extraya de son dos l'humanité et dit, ceux-là sont pour le paradis, ceux-là sont pour l'enfer, et ceci est mon choix. Et alors un homme dit au prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, mais dans quel but œuvrons-nous alors? Et alors le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit, avec les scènes et les positions du destin. Enfin, gloire au Créateur sans aucun besoin. Gloire au pourvoyeur sans nulle provision. Celui qui fait mourir sans crainte. Celui qui ressuscite sans difficulté. Ali Mama Khan, Wama Hua Kain, Wama Sayakun. Il a su ce qui était, ce qu'il est et ce qui sera. Il créa la création par sa puissance et par sa science. Il a su ce qu'ils allaient faire avant de les avoir créés. Il a su ce qu'ils allaient posséder avant de les faire apparaître. Et rien ne sort de son organisation. Rien ne sort de sa volonté et de son décret. Car la volonté des êtres humains n'est pas exécutée sauf ce qu'Allah a voulu pour eux. Ce qu'Allah a fixé pour eux est. Et ce qu'Allah n'a pas fixé pour eux n'est pas. Il leur a ordonné de lui obéir. Il leur a interdit de lui désobéir. Et il est capable de toute chose. Et toute chose a besoin de lui. Chaque affaire est très simple pour lui. Gloire à celui qui est créé à la création. Gloire à celui qui pourvoit toutes choses et fixa les destins. Il créa les créatures et leur fixa leur destin, leur prédestination et un terme à leur vie. Il sut par avance ce qu'ils allaient être amenés à faire et posséder et comment ils finiraient. Et lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire « Kun fayakun, soit et il est ». Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Il créa Adam alayhi salam et essuya son dos d'un essuyage véridique auquel rien ne lui ressemble et rien ne lui est semblable. Et il fit sortir de son dos l'ensemble de sa descendance. Et il prit ensuite d'eux, c'est-à-dire de la totalité des fils de Adam, le serment et le pacte qu'ils ne lui associeront rien et qu'ils ne le nieront pas. Mais si nous regardons attentivement, mes chers frères et sœurs, nous remarquons que l'humanité a rétracté et que l'humanité a rompu ce pacte et n'a pas tenu sa promesse ni son engagement qu'elle a pris envers son Seigneur, Jalla wa Ala. Nous constatons que la plupart des personnes ont mécru en Allah, que la plupart des personnes lui ont associé d'autres divinités, lui le seul, l'unique. Et c'est pour cela qu'ils seront blâmés le jour du jugement dernier. Et alors leur Seigneur les interpellera, et alors leur Seigneur les appellera et leur dira, Alam ahad ilaykum, ya bani Adam, alla ta'budu shaytan. Ne vous ai-je pas engagé, au fils de Adam, à ne pas adorer shaytan? Innahu lakum aduwwun mubin. Il est pour vous vraiment un ennemi déclaré. Wa ani abuduni, hada siratun mustaqim. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voici un chemin bien droit. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Et il a très certainement, indéniablement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Et dans les deux recueils authentiques, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira à un homme en enfer, si tu avais possédé tout ce qu'il y avait sur terre, est-ce que tu en aurais sacrifié une partie? Il répondit oui. Et Allah lui dira alors, je t'ai demandé moins éprouvant, je t'ai demandé moins difficile que cela. Je t'ai demandé du dos de Adam de ne pas m'associer d'autres divinités et tu n'as voulu que faire le contraire. Et de l'étape dite d'essuyage du dos, mes chers frères et sœurs, et l'extraction de sa descendance, nous vient une histoire étonnante et une agréable anecdote. Dans cette étape précisément, l'imam Al-Tirmidhi rapporte un hadith authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lorsqu'Allah créa Adam,
il essuya son dos et fit sortir de son dos chaque âme de sa descendance qu'Allah a créée jusqu'au jour de la résurrection. Et il plaça entre les yeux de chaque être humain une lueur de lumière. Puis il les exposa à Adam. Adam alayhi salam dit alors, « Ya Rab, ô mon Seigneur, qui sont ceux-là ?» Allah répondit, « Ils sont ta descendance. » Adam aperçut alors un homme parmi eux avec une lueur étonnante entre les yeux, une lueur qui dépassait celle des autres. Alors il dit, « Ya Rab, ô mon Seigneur, mais qui est-ce » Allah dit, « Cet homme fait partie des dernières communautés de ta descendance, il s'appelle Daoud. » Adam dit, « Ya Rab, ô mon Seigneur, combien d'années lui as-tu donné à vivre ?» Et Allah lui répondit, « 60 ans. » Et alors Adam lui dit, « Ya Rab, ô mon Seigneur, ajoute-lui de mon âge 40 années de ma vie. Ajoute-lui 40 années de ma vie. » Puis le temps s'écoula. Le temps s'écoula jusqu'à ce que Adam alayhi salam eut achevé son temps de vie. Et alors l'ange de la mort lui vint. Adam lui dit, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » En effet, Allah lui révéla le nombre d'années qu'il allait vivre. Et il dit alors, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et il s'opposa à l'ange de la mort. L'ange de la mort lui répondit, « N'as-tu pas légué à ton fils Daoud 40 années de ta vie ?» Car en fait, Adam demanda dans ce hadith combien de temps allait vivre Daoud, et Allah lui répondit 60 ans. Et alors Adam lui légua 40 ans de sa vie. Et ainsi, lorsque vint l'ange de la mort, Adam protesta, lui assura qu'il lui restait encore à vivre. « Il me reste encore à vivre, il me reste encore 40 ans. » Et on lui dit alors, « N'as-tu pas légué à ton fils Daoud 40 années de ta vie ?» Adam nia alors. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, « Adam nia, et ainsi sa descendance nia. » Adam s'est oublié, et ainsi sa descendance s'oublia. Adam se trompa, et ainsi sa descendance se trompa. Et Adam nia, mes chers frères et sœurs, par oubli et non par orgueil. Il nia et oublia, et par conséquent sa descendance hérita de cette nature, et cette caractéristique, ce défaut de reniement et d'oubli. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a ordonné dans la législation des droits la présence de témoins et la rédaction par écrit. Comme nous dit le verset de l'endettement où Allah nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu, idha tadayantum bidayn ila ajalim musamma faktubuh, wal yaktub baynakum katibum bil'adl. » Ô vous les croyants, lorsque vous contractez une dette à une échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Ceci nous a été révélé afin que les renieurs et afin que les oublieurs n'aient aucune excuse. Gloire donc au législateur des lois divines et au fondateur des règles, Allah Jalla wa Ala. Et alors après l'étape de l'essuyage du dos, Adam alayhi salam passa à l'étape suivante, une étape majestueuse et noble, son apprentissage et son enseignement, alayhi salam, car Allah Jalla wa Ala l'a doté d'une science spécifique de sa part. Il l'a doté d'une science infuse, la science de toutes choses. Et ainsi il lui enseigna et lui apprit les nominations et les noms de toutes les choses, comme nous dit notre Seigneur Jalla wa Ala, « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Et il a appris à Adam les noms de toutes choses, de ceux qu'il discerne et de ceux qu'il ne discerne pas, selon l'avis prédominant des savants. Et voici un point et une finesse des finesses de la science. Et nous estimons que l'avis le plus probable est que l'enseignement de Adam eut lieu avant qu'Allah n'ordonne aux anges de se prosterner. Et ceci est l'avis de Sa'di, rahimahullah, dans son exégèse. Car l'imam Ibn Kathir a cité dans son exégèse que l'étape de l'enseignement a succédé à l'ordre aux anges de se prosterner à Adam. Nous disons que l'avis le plus vraisemblable est qu'Allah enseigna à Adam tous les noms avant d'avoir donné l'ordre aux anges de se prosterner à lui. Et la raison à cela était de faire apparaître aux anges le mérite de Adam alayhi salam. Car lorsque Adam apprit tous les noms de toutes les choses, son mérite se fit connaître auprès des anges. « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Le nom de toutes les choses, de tout ce qui est compréhensible et de tout ce qui ne l'est pas. Le nom des êtres vivants, le nom des animaux, le nom des solides. Puis après cela, Allah Jalla wa Ala a voulu tester les anges. Il leur présenta donc ces noms, puis il les questionna. « ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ » Puis il les présenta aux anges. Il les présenta. Le pronom ici revient sur tout ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est pas. Il présenta aux anges ainsi toutes les choses.
Et nous tirons cela de la preuve dans la parole d'Allah, dans Sourate Nour, où Allah nous dit « Wallahu khalaqa kulla dabba mimma in faminhum man yamshi ala batni » Et Allah a créé d'eau tout animal, et il y en a qui marchent sur le ventre, etc. Et le pronom ici dans le Coran, faminhum, dans la langue arabe traduit ici, il y en a, revient sur le compréhensible et sur le non compréhensible, selon l'avis prédominant des savants. Il en résulte que tous les noms appris par Adam englobent le compréhensible et le non compréhensible. Ainsi Allah Jalla wa Ala les exposa aux anges afin de les éprouver et de les tester. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Puis les présenta aux anges et dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Un test provenant d'Allah Jalla wa Ala, une épreuve de sa part. Allah nous dit informez-moi donc des noms de ces choses, des noms si vous êtes véridiques, c'est-à-dire si vous êtes véridiques à propos de ce que vous avez prétendu, que ce nouveau successeur et que ce nouveau représentant allaient peupler la terre, lui et sa descendance, afin de semer le désordre et de répandre la corruption. Comme vous avez dit, lorsqu'Allah nous dit « Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak » Vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier ?« Anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin » Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Et à cet instant, les anges furent alors incapables de donner le nom de ces êtres et de donner le nom de ces choses. Puis ils se livrèrent exclusivement à Allah, Jalla wa Ala, le seul, le souverain, car ils avaient atteint les plus hauts degrés d'adoration et ils dirent « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » Ils dirent « Gloire à toi ! Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné, et c'est certes toi l'omniscient et le sage. Telle est la livraison exclusive, qui abonde d'un si beau comportement, et telle est la parfaite soumission à Allah Jalla wa Ala, de la part de ses nobles anges. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné, et c'est certes toi l'omniscient, le sage. Et la leçon qui peut être tirée, mes chers frères et sœurs, c'est que la personne à qui Allah Jalla wa Ala a donné une science devrait certes se soumettre à Allah, et devrait certes attribuer cette science à Allah Jalla wa Ala uniquement. Et comme Allah nous le dit, « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » Et au-dessus de tout homme détenant une science, il y a certes un savant plus instruit que lui. Et Allah nous dit également « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. لا علم لنا إلا ما علمتنا » Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Et nous pouvons tirer une autre leçon, mes chers frères. Que si une question est posée à quelqu'un et que cette personne ignore la réponse, alors elle se doit de répondre à ce moment-là, « La adri, je ne sais pas. » Et que cette personne n'ait pas honte, car parler d'Allah sans science est un crime énorme. Allah Jalla wa Ala la joint certes au plus grand des péchés, c'est-à-dire à l'association à Allah. Allah nous dit, « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Dis, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, de même que l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et c'est ainsi qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, il fait partie de la science parfaite de dire de la chose que tu ne connais pas, la adri, je ne sais pas. Et il y a certaines personnes qui parlent d'Allah sans science, et ces personnes ont honte de ne pas pouvoir répondre. Alors que certes les anges n'ont pas eu honte lorsqu'ils dirent قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Nous n'avons pas de savoir, la علم لنا. Et ainsi on rapporte
de l'imam al-Sha'bi rahimahullah, lui qui est un des plus grands savants des tabi'in, de ceux qui ont succédé aux compagnons, et à qui on posa un cas juridique, il répondit alors, « La adri, je ne sais pas. » Et alors ses élèves et ses amis lui ont dit, nous avons eu honte pour toi. » Et il répondit, « Rahimahullah, les anges n'ont pas eu honte lorsqu'ils dirent, « Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka anta al-alim al-hakim. » Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, et c'est certes toi l'omniscient et le sage. Nous implorons Allah par ses noms divins, et par ses attributs sublimes, qu'il nous accorde, ainsi qu'à vous, la science utile et les bonnes œuvres. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul, et que le salut et la bénédiction soit sur celui qui ne sera succédé par aucun autre prophète. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que son prophète, Muhammad, est son serviteur et son messager, qu'Allah l'évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'Allah le préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'Allah lui accorde sa bénédiction, à lui ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, après que les anges aient ignoré le nom de ces choses qui leur ont été présentées, Allah voulut faire apparaître le mérite de Adam et élever son rang par rapport au reste des créations, à commencer par les anges. Ainsi Allah ordonna à Adam d'informer les anges du nom de ces choses. Et il dit alors à Adam, informe-les de ces noms, informe-les de ce que tu as appris, afin de faire apparaître ton mérite, et que tu connaisses ton rang. Car la science, mes chers frères et sœurs, la science élève une demeure sans pilier, tandis que l'ignorance détruit la demeure de la gloire et de l'honneur. Allah nous dit, « Qala ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. » Il dit, « Ya Adam, informe-les de ces noms. » Et lorsqu'il les informa, les anges alors comprirent, et les anges se rendirent compte, à ce moment, la sagesse pour laquelle fut créé ce nouveau successeur. « فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » Puis, lorsque celui-ci les informa de ses noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez, c'est-à-dire ce que vous divulguez et ce que vous ne divulguez pas. Allah sait parfaitement ce que nous témoignons et ce que nous observons, et en priorité, ce que nous ne témoignons pas. Il connaît les secrets et plus encore. » Il connaît les secrets et plus encore. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaib as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Et ce que vous cachez, c'est-à-dire ce que vous dissimulez à l'intérieur de vous-même, du fait de chercher à connaître et du fait de chercher à découvrir la sagesse pour laquelle a été créée cette nouvelle créature, et il y en a en cela, notamment ce que le diable renfermait comme jalousie, qui apparaîtra et se manifestera par la suite à travers sa conduite et ses comportements, comme nous le verrons, Inch'Allah, dans les prochains discours. Et la leçon profitable, mes chers frères et sœurs, que l'on peut tirer de cela, est que si la personne ne comprend pas et ne trouve pas la sagesse à propos de la création d'Allah, ou d'une affaire qui est en rapport avec la jurisprudence d'Allah, ou de n'importe quelle autre affaire dont elle n'arrive pas à y voir et à y percevoir la sagesse, et qui fait défaut aux esprits, alors certes la personne doit accuser son esprit et sa compréhension et sa raison. Et en aucun cas, elle ne doit accuser les actes d'Allah, ni sa législation, ni ses ordres. Comme Allah nous le dit, « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. »
Et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Ibad Allah, serviteur d'Allah, après ces étapes étonnantes, Allah Jalla wa Ala décida et souhaita ne pas laisser Adam alayhi salam solitaire, ne pas le laisser seul, mais il désira lui créer à partir de son espèce, c'est-à-dire à partir de l'espèce de Adam, une personne qui l'accompagnerait et vers qui il trouverait tranquillité et intimité et qui l'aiderait à supporter la dureté de la vie. Et c'est sa femme Hawa alayhi salam. Comme nous le dit notre Seigneur Jalla wa Ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, qu'il vous ait créé de vous et pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et Allah nous dit également dans le début de Sourate An-Nisa, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de celui-ci son épouse, wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et à partir de ce verset, qui est le début de Sourate An-Nisa, Ibn Abbas radiallahu anhuma, le commentateur et l'interprète du Coran, l'érudit et le savant de la communauté, ainsi que d'autres savants ont déduit que Hawa a été créée à partir de la côte gauche de Adam alayhi salam. Et la preuve en est le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bienveillants à l'égard des femmes. Soyez bienveillants à l'égard des femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte. La partie la plus recourbée de la côte étant sa partie supérieure, si tu veux la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses, elle restera recourbée. Soyez donc bienveillants à l'égard des femmes. Alors écoutez mes chers frères et sœurs, et ouvrez grand vos oreilles. Et prêtez attention à ce que nous allons vous dire. Car certes, il ne faut pas comprendre ce hadith comme le comprennent beaucoup d'entre nous et beaucoup de musulmans. Il ne faut pas comprendre de ce hadith que la femme a un esprit tordu, ni qu'elle n'a pas d'avis, ni qu'elle n'a pas d'opinion, et ni qu'elle n'a pas de bonne gouvernance. Eh ben, pas du tout, et bien au contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam revenait à certaines de ces femmes afin de demander leur opinion et leur avis. Mais le sens de ce hadith, mes chers frères et sœurs, car il y a certaines personnes qui affirment et qui approuvent que la femme est tordue et que la femme est courbée et qu'elle ne se redressera jamais pour la simple raison qu'elle n'a pas d'avis, mais ceci est totalement faux. Il y a certaines femmes, mes chers frères et sœurs, dans cette communauté qui sont meilleures que des milliers d'hommes. Cette communauté est une communauté donataire. Elle a fait sortir des savantes, elle a fait sortir des narratrices de hadith, elle a fait sortir des théologiennes, elle a fait sortir des docteurs qui sont bien meilleurs que des centaines, voire des milliers d'hommes. Et il n'est pas vrai, comme nous l'entendons aujourd'hui, que l'islam piétine la femme, que l'islam la frappe du pied, ou que l'islam humilie la femme. Observez, mes chers frères et sœurs, la grandeur de l'islam. Observez la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, soyez bienveillants à l'égard des femmes. Car la femme a été créée d'une côte, et la partie la plus recourbée de la côte étant sa partie supérieure. La courbure de cette côte, Allah Jalla wa Ala l'a créée pour une sagesse. Mais laquelle? La sagesse dans ceci, mes chers frères et sœurs, est que cette courbure couvre le cœur et ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé la femme et a renforcé en elle, dans sa nature, son côté affectif. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a créé la femme et lui a donné un côté affectif plus intense que celui de l'homme. Et ceci pour une raison, et ceci pour une sagesse que seul Allah connaît. Et ceci est certes une preuve de sa féminité.
et une preuve de sa fragilité. Et certes, s'il en fut autrement, alors aucun homme ne l'aurait fréquenté. Car certes, si la femme était dure de caractère, et si la femme était dure de cœur, aucun homme n'aurait pu apprécier la femme, et aucun homme n'aurait pu vivre avec la femme. Et c'est pour cette raison qu'Allah Jalla wa Ala a renforcé son côté affectif, comme il a créé la côte de la poitrine courbée pour protéger le cœur et ce qu'il y a autour. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous devons d'être bienveillants avec les femmes, comme nous l'a ordonné notre Seigneur, et comme nous l'a imposé notre prophète, alayhi salatu wassalam. Nous n'avons besoin de personne qui vienne nous montrer comment se comporter envers nos femmes, qui vienne nous montrer comment éduquer nos femmes, pour la simple raison, mes chers frères et sœurs, que notre religion est une religion de miséricorde, est une religion de clémence, est une religion de bonté et de douceur envers nos femmes et envers toute autre personne fragile. Soyez bienveillants à l'égard des femmes, car la force ne sert à rien, et car la force ne redressera jamais la femme. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé aucune de ses femmes. Donc la femme fut renforcée en elle le côté affectif. Et ainsi l'imam al-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission authentique un hadith selon Aïcha radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur épouse, et moi je suis le meilleur envers mes épouses. Le meilleur d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, et moi je suis le meilleur envers mes épouses. Et dans une autre version authentique: et moi je suis le meilleur envers les femmes. N'est dur avec la femme, mes chers frères et sœurs, que celui qui a un caractère robuste, que celui qui est dur de cœur, que celui qui est glacé de sentiments et furieux de comportement. Et si la vie est devenue difficile dans le couple, voire impossible entre les deux époux, alors Allah nous dit: At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Le divorce est permis pour seulement deux fois, alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou bien la séparation avec gentillesse. Et Allah nous dit également: et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à l'avarice. Mais si vous agissez en bien et si vous êtes pieux, alors certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah nous dit également: et si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. C'est comme cela que nous nous comportons envers les femmes, avec bonté et miséricorde, car la force ne sert à rien. Voilà donc comment fut créée Hawa pour Adam alayhi salam. Elle fut créée pour lui et fut une tranquillité et une miséricorde et une compagne de vie. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Voici ainsi, mes chers frères et sœurs, brièvement, l'histoire de Adam alayhi salam ainsi que de sa femme. Et c'est celle qu'approuve le Coran, mais également toutes les religions célestes. Et ce qui est étonnant, c'est que certaines personnes adoptent cette théorie injuste et cette théorie mécréante qui annonce que l'homme vient d'un animal, d'un petit insecte à queue qui se métamorphosa jusqu'à devenir une grenouille. Puis de la grenouille, il devint un singe. Et ensuite, le singe se civilisa et devint un singe intelligent après qu'il fut bête, jusqu'à ce qu'il se développa et devint un homme qui découvre et qui invente. C'est ainsi que ceux-ci prétendent que la généalogie de l'humanité descend de l'animal. Et cette théorie heurte, et cette théorie contredit la clarté du Coran, mais également tous les livres célestes. Car elle a pour but, mes chers frères et sœurs, elle a pour but unique quelque chose d'ignoble. Elle a pour but le reniement de la présence d'Allah et Azza wa Jal. Et elle gagne certes et elle bénéficie de la malédiction et la réprobation du Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. C'est une théorie matérialiste. C'est une théorie athée et mécréante qui a fait de l'origine de l'homme un gorille ou un chimpanzé. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme, mes chers frères et sœurs, descend de Adam alayhi salam. Et cela par preuve et allégation, et cela par preuve logique, et par preuve visuelle, et par preuve théorique, et par preuve perceptible, et enfin par preuve du Coran et de la Sunna. Toutes les preuves sont avec nous.
Et voici ainsi notre père Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Et voici ainsi notre mère alayhi salam. Et écoutez ainsi ce qu'Allah nous dit, interpellant et reprochant à l'homme ses convictions et ses croyances. Et il lui dit, Ya ayyuhal insan, ô toi l'homme, ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Celui qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Et il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. On ne sait pas. Une théorie qui a pris naissance, une théorie qui s'est développée et qui a trompé beaucoup de ceux qui se prétendent musulmans. Et également ceux qui se disent issus de cette religion. Comment l'être humain s'est développé dans sa création? Pourquoi ne nous voyons pas de singes présents aujourd'hui se développer et devenir à leur tour des êtres humains? Et pourquoi nous-mêmes ne nous sommes pas développés pour devenir des êtres de métal? Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit « وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا. Et nous avons honoré les fils de Adam, et nous les avons transportés sur terre et sur mer, et leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. Et ainsi Allah est véridique lorsqu'il nous dit, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Voici donc l'histoire de Adam, et voici l'histoire de sa descendance, et leur accouplement, et leur reproduction, et leur présence sur terre, ne fut pas un fruit de la nature, mais plutôt une preuve de la puissance suprême d'Allah, et une preuve de son pouvoir étonnant, son pouvoir que la raison ne peut pas comprendre, celui qui dit à la chose « soit » et « elle est ». C'est la force et l'innovation, et c'est pourquoi Allah, Jalla wa Ala, le Seigneur des cieux et de la terre, le maître de toutes les créatures, défia toute l'humanité dans le fait qu'ils ne seront jamais capables de créer une créature vivante. Et ils ne seront même pas capables de créer, ne serait-ce que la créature la plus mésirable présente sur terre. Et de surcroît, un être humain doté d'un cerveau, d'une raison, d'une ouïe et d'une vue. Écoutez donc cet appel à Yohannes. Ô vous les hommes, ô toi l'humanité, Allah Jalla wa Ala nous lance cet appel, vous appelle tous d'un appel général et d'une explication globale. Allah nous dit, Ya Yohannes, ô vous les hommes, ô vous les hommes, avec vos différents niveaux sociaux, avec vos différentes classes sociales, avec vos différentes intelligences, et vos différents langages et vos différentes couleurs, ainsi que vos différentes civilisations et vos différentes cultures. Ya ayyuhannas, ô vous les hommes, duriba mathalun fastami'u lah, un exemple vous est présenté, alors écoutez-le. Innal ladhina tad'un min dunillah la yakhluqu dhubaba wa la yajtama'u lah. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient tous pour cela. وَإِنْ يَسْلَبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, c'est-à-dire si la mouche s'emparait de leur nourriture ou s'emparait de leur boisson, ils ne seraient même pas, et ils ne seront même pas capables de la lui reprendre. Le solitaire et le sollicité se sont alors affaiblis. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et Allah est certes fort et puissant. C'est la puissance suprême d'Allah qui a créé à partir du néant l'existence, et qui a créé à partir de l'inaction l'action, et à partir de la mort la vie. Et voici que le volatile se met à bouger, et voici que la terre se met à parler, et que le solide devient un être humain dans la forme la plus parfaite et dans la meilleure image. Puis après cela vient sa descendance qui se multiplie pour peupler la terre. Puis après cela, un des fils de ce successeur, alayhi salam, renie la puissance du Créateur et conteste auprès d'Allah à propos de sa royauté et dévie du chemin d'Allah Azza wa Jal et désobéit à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. N'est-il pas étrange, mes chers frères et sœurs, celui qui renie l'existence d'Allah alors qu'il n'était rien auparavant? N'est-il pas étrange, celui qui renie l'existence d'Allah Azza wa Jal alors que sa seule présence est la preuve de la présence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et comme Allah nous le dit, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le créa et détermina son destin. Puis il lui facilita le chemin, puis il lui donna la mort et le mit au tombeau. Puis il le ressuscitera lorsqu'Allah le voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'on lui commande. Quelle étrangeté! Comment peut-on désobéir au Tout-Puissant? Et comment l'apostat peut posséder ce reniement? Et dans toute action et inaction, lui est à jamais témoin, et dans chaque signe, un preuve qui démontre qu'il n'est qu'un. Voici donc la véritable histoire, et voici la vérité claire, sans aucun soupçon, et dont nous ne doutons guère, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Oui, mes bien-aimés, notre père est bien Adam, alayhi salam, le père de toute l'humanité, et notre père n'est pas un singe, ni un gorille, ni autre chose, et tout cela n'est que futilité, une théorie stupide, qui vise au reniement de l'existence d'Allah, jalla wa ala. Nous nous en innocentons auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que celui qui l'adopte. Oui, l'être humain doit observer autour de lui et s'observer lui-même. Comme Allah nous le dit, wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbi as-sama'i wal ard innahu la haqqun mithla ma antum tantiqun. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas, et il y a dans le ciel votre subsistance, et ce qui vous a été promis, et par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Ainsi, c'est le début de la création de l'homme. Que l'homme considère donc, mes chers frères, de quoi il a été créé. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Que l'homme considère donc, et que l'homme regarde donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Et Allah est certes capable de le ressusciter. Mais certaines personnes persistent à fermer les yeux afin de ne pas voir la lumière éclatante du soleil. Et persistent à boucher leurs oreilles afin de ne pas entendre le son merveilleux de l'univers. Et Allah a dit vrai. Et Allah est encore véridique lorsqu'il nous dit, car elle n'aveugle pas les yeux, mais certes elle aveugle les cœurs qui sont dans les poitrines. Je demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et par ses attributs sublimes, qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous bénéficie de bonnes actions afin de se rapprocher de lui. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son prophète, son noble prophète, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier.